Il existe de nos jours plusieurs méthodes pour traiter l'éjaculation précoce. Certaines de ces méthodes vont plutôt viser le fonctionnement mental et psychologique pour aider à maîtriser l'excitation sexuelle. D'autres méthodes vont viser plutôt le fonctionnement physique, corporel et en particulier les muscles du périnée pour apprendre à les utiliser de façon volontaire et non involontaire. D'autres méthodes sont basées sur l'utilisation de traitements qui aident à retarder l'éjaculation. Ces médicaments peuvent être soit en comprimé, soit en crème à application sur le pénis. Des études scientifiques récentes ont comparé ces méthodes entre elles pour savoir lesquelles seraient les plus intéressantes. Ces études nous apprennent trois choses. Premièrement, il n'y a pas une méthode qui semble supérieure de façon très nette aux autres méthodes. Deuxièmement, pour des raisons qu'on ignore, certains hommes vont répondre très bien à une méthode, mais pas à d'autres. Troisièmement, le fait d'associer plusieurs méthodes en même temps semble donner de meilleurs résultats que le fait d'utiliser une méthode seule. En particulier, le fait d'associer un traitement médicamenteux à des techniques corporelles ou mentales semble donner de meilleurs résultats que si on utilisait l'une ou l'autre des techniques seules. C'est aussi pour toutes ces raisons qu'un suivi est nécessaire par l'expert sexologue pour pouvoir adapter à chaque étape du traitement les méthodes utilisées à l'évolution du problème. Quoi qu'il en soit, que vous ayez déjà utilisé des méthodes dans le passé ou non, si vous êtes gêné par un problème d'éjaculation précoce, n'hésitez pas à consulter des spécialistes en sexologie qui vous aideront à trouver la méthode de traitement la plus adaptée à votre cas. Thank you.